Là, vous voyez que je fais la préparation avec des légumes et avec des fruits, tout simplement parce que je ne bois pas d'eau. J'ai vraiment du mal à boire de l'eau. Et cette eau aromatisée m'aide au moins à consommer entre 1 litre et 1 litre et demi d'eau par jour. C'est une eau aromatisée qui se conserve au frais et je n'en fais qu'un demi-litre par jour. Ça veut dire que le reste du demi-litre, je bois de l'eau normale. Je la conserve au frais. Il n'est pas utile d'en faire plusieurs, de faire plusieurs litres parce que, étant donné que ce sont des légumes et des fruits, dans de l'eau, l'eau au bout de 24 heures peut tourner et ce ne sera plus consommable. Donc, je vous conseille plutôt de faire cette préparation tous les jours, le soir, et de la conserver au frais pour le lendemain. Je n'utilise pas l'eau du robinet parce que en France l'eau est calcaire. Moi, j'utilise une eau minérale, l'eau d'épar. Pour celles qui sont en Afrique, vous pouvez utiliser l'eau de source qui est un peu moins chère. Alors, épar est une eau qui est très très riche en magnésium. Vous buvez une bouteille comme ça, c'est 1 litre, ça vous fait votre consommation journalière. Bien sûr, ne buvez pas 2 bouteilles d'épar par jour à cause du magnésium, mais vous buvez juste une bouteille et si vous avez envie de boire de l'eau, vous complétez avec une eau normale, une eau simple, d'accord? Très riche en magnésium, le magnésium qui est très bon pour la peau, qui est très bon pour les ongles, pour les cheveux et aussi pour le stress, la fatigue. C'est une eau que je consomme depuis des années. Donc, je fais ce mélange avec l'épar. L'épar aussi très conseillé chez les femmes enceintes. Voilà.